Salut à tous, c'est Anna. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui je suis à l'extérieur, dans un champ, avec deux chevaux, dont une qui s'éclate. Vous la voyez pas, peut-être que vous l'entendez. Peut-être que là vous la voyez passer. Il y a une lumière magnifique, il y a la verdure, il y a les fleurs, c'est vraiment très très beau. Et je profite, je m'émerveille devant cette beauté. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment gérer un cheval dominant. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être face à un cheval qui ne vous respecte pas. Un cheval qui vous marche dessus, qui vous bouscule, qui est là, vous voulez aller à un endroit, il tire sur la longe pour aller à l'autre, pour aller ailleurs. Quand vous le menez en main, quand vous le conduisez en main, vous avez plus l'impression de faire drapeau que de vraiment l'emmener quelque part. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et donc, je sais que dans ces moments-là, on peut vraiment se sentir démuni. On peut se sentir vraiment impuissant face à un cheval de 500 kilos parce que c'est flippant. C'est flippant de se dire, merde, ça se trouve, il va me faire mal. Ça se trouve, il va se barrer. Il va créer un accident. Ça se trouve. Et c'est vraiment flippant de ne pas pouvoir de se sentir complètement hors contrôle, quoi. On n'a plus de maîtrise, on n'a plus rien. C'est vraiment flippant. Donc je peux vraiment comprendre ça parce que j'ai déjà ressenti ces sentiments-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner quelques clés pour aller vers une relation harmonieuse avec lui. Attention, je suis au devant. Les v'là qui viennent autour de moi. Attention, Maxou, viens là. Tu restes avec moi, chouchou. Et donc, oui, bah toi, oui, je t'aime, ma chérie. Mais je sais aussi que tu es un petit peu contente. Hein? Tu dis bonjour à la caméra? Voilà, on va peut-être un peu s'éloigner. Viens, mon Max. Maxou, viens, viens avec moi, chouchou. C'est bien mon petit cœur. Et donc, nous reprenions. Je voulais vous donner quelques clés en fait pour pouvoir avoir une relation plus harmonieuse, une relation de collaboration, une relation où en fait le cheval nous fait confiance et nous respecte. Donc, en premier lieu, il faut comprendre en fait que ces chevaux-là, ils ont un très fort caractère. Ils savent ce qu'ils veulent en fait. Ils ont une très grande force intérieure qui fait qu'il y a une grande détermination, il y a. Cette puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux fait qu'ils ont confiance en eux, qu'ils savent où ils vont, qu'ils savent ce qu'ils veulent en fait. Et du coup, pour se sentir en sécurité, pour se sentir en sécurité avec nous, pour se sentir dans un état de bien-être avec nous, pour qu'on ne représente pas un boulet à leurs yeux, ils ont besoin de sentir qu'on a au moins une force intérieure similaire à la leur, une stabilité intérieure similaire à la leur. Et alors là, ils savent qu'on est capable en fait de prendre soin d'eux, ils savent qu'on est capable de les protéger, et alors ils vont se poser. Ils vont se poser à côté de nous et ils vont pouvoir vraiment être dans la confiance et être dans le respect. Voilà. Parce qu'en fait, quand ils n'ont pas de respect, quand ils sont dans leur. On a l'impression qu'ils ne nous voient même pas. C'est tout simplement parce que pour eux, on n'est pas à la hauteur en fait. C'est pas méchant. C'est juste qu'ils disent, la personne là, elle n'est pas cohérente. La personne là, elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Elle n'est pas stable intérieurement. Donc moi, je ne peux pas lui faire confiance parce qu'en fait, je suis supérieure à elle. C'est ça qu'ils se disent en fait. Donc du coup, ils prennent eux-mêmes leurs propres responsabilités en assurant leur survie, leur protection. Et en faisant ça. Eh ben, ils se mettent à être simplement vigilants de leur environnement et du coup ils se coupent de nous. Nous on est juste un boulet pour eux parce qu'on essaye de les retenir peut-être à un endroit où ils ont l'impression que c'est dangereux. Donc la première clé en fait avec ces chevaux-là, la première chose à faire, c'est de poser la relation de dominance et de confiance. Cette relation elle se pose toujours à pied. Elle se pose surtout en jouant sur la distance et la proximité dans un travail en liberté par exemple. On peut aussi la poser par un travail de conduite en main. C'est beaucoup avec notre langage corporel et notre attitude intérieure, qu'on va convaincre le cheval en fait qu'on est capable
de s'occuper de lui, de prendre soin de lui, de le protéger. Parce qu'en fait, c'est juste ça. Lui, il va capter notre rayonnement. Voilà, ce qu'on dégage. C'est ça qui va faire qu'il y a une confiance ou pas. La manine. Le deuxième point, c'est tout simplement de réaffirmer quotidiennement cette relation de confiance et de dominance. Alors, comment la réaffirmer ? Le plus simple, c'est de la réaffirmer lors de la conduite en main. Simplement en faisant attention à notre langage corporel, en faisant attention à comment on se sent à l'intérieur, pour être cohérent par rapport au cheval. Alors, pour être cohérent entre nos émotions, notre langage corporel et nos actions. Donc vraiment réaffirmer quotidiennement, le cheval il a juste besoin de savoir que c'est ok, on est conscient de nous, on est stable intérieurement, on est complètement capable de le protéger et de prendre soin de lui. Il peut se relaxer, c'est ok. Et la troisième clé en fait, c'est tout simplement que il y aura des fois où vous ne vous sentirez pas bien, il y aura des fois où vous vous sentirez en colère, triste, où vous aurez peur. Et dans ces moments-là, l'idée c'est vraiment de l'avouer au cheval, de lui dire « aujourd'hui je me sens pas bien, aujourd'hui je me sens comme ci ou comme ça », parce que lui il le sait de toute façon. On peut rien cacher au cheval, contrairement entre humains, on s'amuse à se cacher des trucs, à faire semblant. Le cheval, lui, il le sait. Il voit notre énergie, il perçoit notre énergie, il le sait. Donc autant le lui dire, autant lui avouer, parce que comme ça, lui, il aura plus confiance, parce qu'il sait qu'on est conscient. Étant conscient, on va faire des choix en fonction de ce qui est. Donc c'est important de pouvoir être conscient, de lui dire et de faire des choix en fonction de ça. C'est-à-dire que peut-être ce jour-là, on va pas le travailler. Peut-être ce jour-là, on va juste le mettre au paddock. Peut-être ce jour-là, on va juste le brosser. Voilà. C'était les trois petites clés. J'espère vraiment qu'elles vous ont aidé. Et si vous connaissez des gens, en tout cas, que vous aimez et que cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. De la même manière, j'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir ce que vous vivez avec vos chevaux. Si vous vivez des relations comme ça, de face à un cheval assez dominant et que vous avez du mal, ou que vous y arrivez bien, racontez-moi. Je serais ravie de pouvoir partager ça avec vous. Et de la même manière, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, de peut-être des points à améliorer ou des points qui vous ont plu et qui vous ont aidé. Je vous souhaite vraiment une excellente journée sous ce beau soleil. Et je vous dis à très bientôt. Bye !